L'ancien patron du FBI James Comey doit publier, mardi prochain, ses mémoires. Un livre très attendu, dont des passages ont fuité dans la presse jeudi et dans lequel l'ex-chef policier décrit le locataire de la Maison Blanche comme un menteur invétéré soumettant son entourage à un code de loyauté qui rappelle l'attitude d'un chef mafieux. Donald Trump y apparaît aussi comme obsédé par des détails scabreux le concernant. James Comey relate ainsi que le président lui a demandé d'enquêter sur des allégations le mettant en présence de prostituées russes en 2013 dans un hôtel à Moscou. « Je suis germophobe, ce ne serait pas possible que je laisse des gens se faire pipi dessus devant moi », aurait dit le milliardaire à propos des relations sexuelles prêtées aux prostituées, au cours desquelles elles se seraient urinées dessus à sa demande. « J'ai laissé échapper un rire », écrit James Comey, toujours selon cet extrait relayé par le Washington Post. Ce dossier avait été rédigé par un ancien agent du renseignement britannique pour le compte d'opposants politiques au candidat républicain. Alors qu'il avait été jugé crédible dans un premier temps par le renseignement américain, son authenticité avait ensuite été complètement remise en question. Lors de cette discussion dans la tour Trump en janvier 2017, Donald Trump a demandé au chef du FBI de tordre le cou à ses affirmations qui lui étaient très défavorables. Au cas où il existerait une seule chance sur 100 qu'elle soit prise au sérieux par sa femme, Melania, selon James Comey. Le boss qui fait le jour et la nuit. Cet échange avec le président m'a fait revenir au début de ma carrière, quand j'étais procureur face au milieu, a-t-il ajouté. L'ex-chef policier a décrit une scène digne de la mafia. Le cercle silencieux qui acquiesce. Le boss qui fait le jour et la nuit. Les serments de fidélité. La vision du monde selon laquelle tous sont contre nous. Le mensonge généralisé, qu'il soit petit ou gros, au service d'une sorte de code de loyauté qui place l'organisation au-dessus de la moralité et de la vérité. Pour James Comey, ce président est immoral, détaché de la vérité et des valeurs institutionnelles. Son leadership est transactionnel, axé sur l'ego et sur la loyauté personnelle, insiste-t-il. Les mémoires de James Comey, intitulées « Higher Loyalty, Truth, Lies, and the Leadership », retracent ses 20 ans de carrière comme procureur à New York, puis comme ministre adjoint de la justice dans le gouvernement de George Bush et chef du FBI entre 2013 et 2017. À la Maison-Blanche comme chez les responsables républicains. Le livre a fait naître des craintes sur les dégâts qu'il pourrait infliger à une présidence Trump déjà affectée par des rumeurs, limogeage et démissions. Le Parti républicain a d'ores et déjà mis en ligne un site intitulé Comey le menteur, où l'on peut notamment voir défiler une série de citations de personnalités politiques, désobligeantes pour l'ex-patron du FBI. Le livre, qui sort le 17 avril, s'est un temps hissé en tête du classement des préventes d'Amazon, Grand M.